Eh bien, salut tout le monde! Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo assez spéciale pour une vidéo sur un jeu du nom de Blacklight Retribution. C'est un free-to-play uniquement sur PC et gratuit, vu que les free-to-play, c'est des jeux gratuits sur PC tout simplement. Ce qui est assez logique, j'ai envie de vous dire. Alors, on se trouve sur le jeu, comme je vous l'ai dit, Blacklight Retribution, un jeu disponible sur Steam gratuitement. Le jeu est totalement gratuit, massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'on joue qu'en multijoueur, il n'y a pas de solo. Le développeur est Zombie Inc. L'éditeur est Perfect World Entertainment. La date de parution, en gros, quand il est sorti, c'est le 2 juillet 2012. Donc ça fait pas très longtemps, 2-3 semaines environ. Donc c'est vraiment, il n'y a pas très longtemps. Et le jeu bah, est disponible dans plusieurs langues, ce qui est assez logique. Alors j'ai un petit peu vous dire les langues. Donc, pour le mettre en français, il faut aller dans le launcher, il faut aller dans options, et vous pouvez le mettre en français. Moi, j'ai mis du temps à savoir qu'on pouvait le mettre en français. Je jouais en anglais, je comprenais un peu rien, mais voilà. J'ai enfin réussi. Alors, le jeu était disponible sur un peu toutes les plateformes, mais ce Blacklight-là, parce qu'il y en a deux, il est disponible uniquement sur PC, parce que je pense qu'il y avait moins de chances de gagner un peu d'argent, tout simplement. Alors, comme tout free-to-play qui se respecte, bah il y a assez de monde, les modes sont assez bien, etc. Alors on va un petit peu parler de ce jeu. Alors ce jeu, je pense, il est inspiré de Halo 4 et de Crysis 2, Crysis 2 quoi en gros. Je pense qu'il est inspiré de ces deux jeux parce que il fait un petit peu penser à l'univers futuriste assez sympa que moi j'ai bien aimé. Donc je pense me procurer Crysis 2 ou 3, un truc comme ça. Parce que j'aime vraiment les jeux futuristes, je viens de le découvrir avant, j'avais jamais testé, mais en fin de compte j'aime bien. Voilà. Donc tout d'abord j'ai un petit peu dire pourquoi je fais une vidéo comme ça et je l'envoie à qui. Alors je fais une vidéo sur les free to play pour lancer ma nouvelle série qui va s'appeler Free to Play tout simplement. Où en fait je vais vous faire découvrir des free to play, des jeux gratuits, aventure, FPS et tout. Ils sont disponibles uniquement sur PC. Pour vous les faire découvrir parce que normalement des perles, ça veut dire en gros des super jeux gratuits disponibles uniquement sur PC, parce que sur PC on a vraiment la chance d'avoir des beaux jeux d'aventure, des beaux jeux d'action, des FPS, tout ça gratuitement. Donc il faut pas les oublier, il faut pas les louper. Voilà. Ensuite je compte envoyer cette vidéo à Le Bon Plan du Geek en espérant être upload. Si ce n'est pas le cas, tant pis, mais si c'est le cas, je vous dis bonjour à vous les abonnés de Long Point du Geek. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet bien précis, les free-to-play, ce qui est assez logique. Alors, les free-to-play sont des jeux gratuits uniquement sur PC. Il existe plusieurs free-to-play disponibles sur Steam. Vous allez dans la catégorie gratuit et vous allez trouver un petit peu votre bonheur en free to play gratuit, des jeux d'action, des FPS, des MMORPG, et sur le net aussi vous pourrez trouver. Alors je vais vous mettre le lien pour installer Steam pour les gamers PC et le lien pour sur le site de Blacklight Retribution. Donc voilà. Alors proposez-moi des free to play pour le deuxième épisode si cet épisode vous a plu. Bien sûr, je continuerai cette série. Et donc si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et à aimer cette vidéo pour que je sache si un maximum de personnes ont apprécié cette nouvelle série et si je peux la continuer. Donc je disais, mettez un commentaire pour me dire quel autre free to play je pourrais faire, un très bon free to play vraiment sympa que je pourrais montrer en vidéo. Alors je trouve que c'est assez sympa quand on est ensemble, on va dire, et ça fait comme si notre robot il était mort et tout. Alors là je suis en train de capturer, enfin de pirater on va dire, parce que je suis un pirateur, de pirater le drapeau pour gagner. Alors c'est ce gameplay, ça sera un gameplay beau en objectif et un peu moins beau en kill, mais vraiment beau en objectif. Donc en parlant d'objectifs player et tout, alors les objectifs player sur ce jeu sont vraiment pas mal récompensés. Ceux qui protègent celui qui capture gagnent vraiment pas mal de points, et ceux qui capturent d'eux-mêmes. Donc je trouve ça vraiment sympa. Là vous allez voir une très belle action de moi, une triple feed que j'ai faite, c'est vraiment assez beau. Donc voilà. Alors aussi comme tout free to play qui se respecte, il y a de l'argent que l'on gagne via le jeu, il y a aussi de l'argent
là-bas que l'on doit payer pour qu'il gagne un petit peu de sous quand même, parce que faire des mises à jour, créer ce jeu vraiment très bien avec un moteur graphique assez beau, je trouve quand même, pour un jeu gratuit. Donc voilà, moi je trouve, après je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Si vous voulez jouer avec moi sur ce Blacklight, dites-moi dans les commentaires et ajoutez-moi sur Steam et je vous accepterai tout simplement, j'ai envie de vous dire. Alors bah j'aurai en tête comme prochaine vidéo sur les free to play Volt Micro Volt ou Tribe AdSense ou enfin Team Fortress 2. Vraiment trois bons jeux, assez excellents je trouve, après c'est à voir. Voilà, alors j'étais en compagnie de aucune personne durant cette vidéo, mais petite dédicace à Nico qui voilà, qui jouait avec moi sur ce jeu. Excusez-moi. Alors j'ai vraiment pas mal joué l'objectif pour faire gagner ma team. Vous verrez si on va finir par gagner ou pas. Les parties durent entre 5 à 10 minutes, ça va, c'est pas trop long, donc voilà. Alors, depuis tout à l'heure, vous regardez un gameplay, mais vous comprenez pas pourquoi on a une vision à travers les murs, on voit à travers les murs. Ouais, c'est un cheat, c'est un hack, et bah non, c'est le jeu qui fait ça, c'est vraiment une touche de gameplay assez originale. C'est presque indispensable de jouer avec cette vision. Je précise que l'on peut pas tirer et mettre la vision en même temps, et on peut pas prendre d'armes quand on est avec cette vision. Donc la vision sert uniquement à repérer les ennemis à travers les murs, et comme ça on fait pas tout le tour de la map sans trouver un ennemi, ce qui est vraiment assez logique. Alors quand on meurt, vous voyez que je suis mort pas mal de fois quand même durant le gameplay, et bah nous pouvons être animés par un coéquipier comme un petit peu à la Battlefield, où nous pouvons attendre le temps pour être animé tout seul. Alors vous voyez, quand on est dans le sang, c'est vraiment un style assez sympa, comme si le robot il était HS, il a cessé de fonctionner, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors chaque arme et chaque équipement est spécifique. En gros, la grenade est associée à une arme. En gros, on peut pas la balancer à la code, il faut prendre son arme et prendre l'arme grenade, on va dire, et la balancer. Le couteau, c'est vraiment une arme à part, elle aussi. Il faut prendre son couteau et cuter, mais aussi vous pouvez donner des coups de crosse, des coups d'AK-47 et tout, avec au corps à corps, tout simplement, avec le cut. En gros, F. Alors, je vous conseille vraiment de mettre le jeu en français. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il faut être dans le launcher pour le mettre en français, parce que moi au début en anglais j'étais perdu, hein, je savais pas trop quoi faire, où aller et tout, donc voilà. Ensuite, quand on meurt, on peut aller voir tous les autres joueurs, assez logique, j'ai envie de vous dire. Et il y a aussi l'interface des scores, en gros. Les scores, ils sont assez bien faits, on voit un petit peu les morts et tout qu'on a eu. Voilà, moi je joue toujours l'objectif. Et à chaque fois qu'on joue l'objectif, on gagne de plus en plus d'argent. Donc en gros, jouez pas mal l'objectif, jouez pas mal les frags, et vous allez gagner pas mal d'argent pour acheter vos armes illimitées. Et puis voilà. Alors les gens qui achètent de l'argent du jeu avec leur vrai argent, ils sont pas avantagés. C'est juste que ils ont les mêmes armes que nous, mais eux ils peuvent les avoir permanentes, nous aussi, mais eux ils paieront beaucoup moins cher. Donc ce qui est vraiment sympa, ils ont pas des armes cheatées et tout, ils ont les mêmes armes que nous. Ils ont pas beaucoup d'avantages, et ça que je trouve vraiment bien, ils ont pas avantagé les débutants ou les experts qui payent de la vraie argent. Donc là c'est le moment fait, j'étais trop rapide, donc prenez votre temps quand vous sécurisez quand vous piratez, on va dire, un point, comme ça vous êtes sûr que vous le piratez bien et vous gagnez tout simplement. Alors vous voyez les scores et tout qu'on gagne, donc prenez votre temps. Alors une nouvelle particularité du gameplay, quelqu'un est invisible, pour le voir il faut mettre la vision pour voir les gens qui sont invisibles. Je trouve une nouvelle particularité du gameplay qui est vraiment très originale et qui peut nous faire prendre un petit peu plaisir. Donc pour tous ceux qui ragent sur Call of et tout, je vous conseille de jouer à des free to play aventure, FPS et tout, pour reprendre un petit peu de plaisir sur les jeux vidéo et arrêter de rager, j'ai envie de vous dire. Parce que moi je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à jouer à un petit free to play comme ça de temps en temps que de me forcer à jouer à un Call of Duty qui va me faire péter un cap pour rien. Donc vous voyez que nous finissons par gagner la partie. Donc à la fin de la partie, il y a les trois
Genoga Team Victorious, qui sont là, qui font un petit peu les stars et tout. Moi j'étais quatrième, je suis un peu j'ai eu un peu la rage, j'aurais bien aimé être dans le top 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai assez bien articulé pour que vous compreniez un petit peu ce que je dise, que vous ferez un tour sur ma chaîne. Alors quand on gagne, on voit un petit peu notre perso faire le fou avec son gun et tout, et voir tout l'argent qu'il nous est attribué. Donc je vous invite à aller voir juste ma chaîne si cette vidéo passe sur le bon du geek. Je vous invite à vous abonner si vous voulez me suivre et à mettre un like que si la vidéo vous a plu. Voilà, à plus tout le monde.